Et bonjour à toutes et à tous, c'est Devil, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, en ce joli petit week-end de 3 jours. Oh j'avais ma petite banane pourrie que j'avais oublié de jeter, tiens. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est continuer. Donc les petites barricades sur le ponton, j'aimerais commencer le potager, commencer à ranger aussi un petit peu. C'est vrai que c'est le bordel. Faut qu'on se mette une poubelle aussi dehors. Il faut qu'on se mette une poubelle, ça je l'avais toujours pas lu. On va continuer donc les barricades. J'avais pas fait. Ouais, ça me semble bizarre ça. D'accord. J'avais mis l'escalier et au final il y en a qu'un. J'avais pas détruit ça. Ok. Je viens de le voir. Bizarre. Bizarre, bizarre. Petit tour des NAS ce matin. Alors, vérifier. 5 petits. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Vérifier. Ouh, 6. Et là, 4. 4, 5, 6. Ok. Donc ce qu'on va faire, est-ce que j'ai des clous sur moi encore? Est-ce qu'on a des clous? Est-ce qu'on a des clous? 24 clous. On va pouvoir commencer du moins. Et on va détruire ça. Hop. Comme ça, ça va nous permettre de sécuriser un peu le ponton. On va pouvoir pêcher tranquillement au bout. En... C'est juste pour faire joli, hein, dans tous les cas. Faire joli. Allez, tu vas être à bout de souffle, mais c'est pas grave, tu vas te reposer. Là. Et là, je pense qu'on est pas mal. De toute façon, on est à bout de souffle. Elle est au bout de sa vie. Hop. Et ça, tu peux me mettre ça ici. On va tenter de le faire se reposer un petit peu. Après, on va aller chercher un petit peu d'eau. Les poissons, on va les mettre au congélateur, je pense. On avait 4 cafés sur nous. Il va falloir qu'on commence à ranger parce que c'est le bordel. 2 piles. Ok. J'ai quoi? Juste essoufflé. Ok. Bon, on va repartir comme ça. Elle est fraîche. Boire, remplir. Et plus d'eau. On a plus d'eau. Par contre, ici, c'est un peu galère à trouver, à choper. Boire. Remplir. Ok, donc là, on est bon. Si j'ai dit les poissons au congélateur. Les petits poissons, hop, dans le congèle. On va pas tarder à avoir une grande faim. Au pire, on va prendre ça. Est-ce qu'on a des clous? Je vais aller chercher une boîte de clous. Je réfléchissais à un truc. Désolé, mon cerveau s'est déconnecté. Clou, 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 clou. Boîte de clou, boîte de clou. Boîte de clou. Boîte, boîte. Boîte de clou. Et là, il y a une poubelle et on peut... Est-ce qu'on peut supprimer ce qu'il y a dedans? Je ne sais plus.
Ouais, on peut supprimer, parfait. Et ben au pire des cas, faudrait qu'on en chope une comme ça, et puis on mettra ça dans la cuisine. Ce qui est bizarre, c'est qu'en solo, comme ça, on peut supprimer les poubelles, mais en coop, on ne peut pas. Y a pas l'option. C'est vraiment bizarre. Donc, nous disions... Ça, pour l'instant, tu mets ça là. Tout ça, c'est équipé. Au pire des cas, ça, tu mets ça là. Voilà, parce que là, t'es un peu lourde. Un tout petit peu lourde. Débiter les bûches. Allez, ça va faire 18 planches déjà. Rien que là, 18, je pense que ça va pas être trop mal. Je pense. D'accord, 2 dans le sac à dos. Ok, et pas beaucoup plus là-dedans. On peut pas manger ça. Parce que là, elle a faim. On peut faire 7 murets. Alors c'était en clôture, clôture en bois, cette murée avec celle-ci bien sûr, on va récupérer, hop. Ça fait du boulot, ça fait de la fatigue en plus, mais on va se plaire, là. On va être bien. Coin de paradis pour la pêche. Allez, parfait. Ah, ça, ça décongelé. Tu peux tout manger. Régale-toi, mon petit. Les clous, on va les foutre là-dedans. Les planches, tu les mets là. Tu peux en mettre deux encore. Hop. Là, les 8, débiter les 8. Parfait. Tu me mets tout ça là-dedans. Mets-en sur la tête, dans les poches et tout aussi, hein. Vas-y, hein. Charge-toi, hein. 12, 12 et 2. C'est ça, on a pris 2 aussi. Ouais, 2. Et ben, ça refait 7. Bon, ça va, c'est mieux que rien. Construire, construire, clôture, clôture. Des fois, il faut qu'elle m'explique ses faits et gestes, parce que là, je comprends pas tout. C'est dommage qu'on ait oublié le petit morceau là. C'est dommage. Allez, on va essayer d'avancer face à face comme ça. Deux ici. Et deux dernières. Là, il faut de quoi en faire un. Deux. Et puis c'est tout. Hein. Le reste, on va laisser ouvert. Sinon, si on met tout, on peut pas pêcher. Je ne pense pas. Pour que ça fasse un petit peu réaliste. On ne va pas fermer. Donc on en prend juste 4. Hop. Ça aura bien avancé. Là, on peut faire construire, clôture, clôture en bois. Que si j'en mets là, j'ai peur que... Bah, ça va faire moche dans tous les cas, mais ça va... C'est tout, ça va être tout. Je pense que ça va pas nous empêcher de pêcher, parce que là, on peut quand même pêcher à travers, quoi. Mais c'est juste, voilà, question visuelle, quoi. Question réalité.
Bon, je vais aller voir niveau grain, est-ce qu'on a? Ensuite, il faudrait qu'on fasse un petit potager. Je pense qu'on va le faire. Bon, on va le faire là. En dessous du fil à linge. On va étendre le linge. Normalement, j'avais pris plein de graines, je crois. Enfin, plein. J'avais pris de quoi redémarrer un potager. Et ça va pas être là-dedans, ça va être dans le véhicule. Mais là, je vais regarder d'abord. Voilà. Au pire, ce qu'on va faire, on va faire ça. Merci. Pour le moment, c'est tout. Pour le moment, c'est tout. Elle va avoir faim encore. Allez, deux paquets de chips. Et puis. Mais on avait plein de trucs en fait ici. Et puis c'est tout. Donc ça veut dire que tout est là-dedans. Normalement. Les graines. Les petites graines. Pourquoi on a des graines de pommes de terre? Des petites graines? J'ai fait. Je les ai pas encore posés dehors. C'est compliqué aussi pour moi de se rappeler dans le sens où, comme je le dis à chaque fois, les vidéos je les fais que le week-end. Donc après je suis 4-5 jours sans jouer. J'y pense pas du tout la semaine quoi. Où est-ce que j'ai pu mettre ça? Mais c'est affolant! J'en ai pris, c'est sûr. Non, c'est que des sacs poubelles là. Ah non, ils sont là. Ah, je suis sauvé! Par contre, j'ai pas pris des plantoirs, mais est-ce que. Poser un sillon. Ouais, c'est bon, il a elle a le râteau. La fourche. Et j'ai eu peur. Là, franchement, j'ai eu peur à mon petit cœur. Là, j'ai eu peur. Si on fait creuser un sillon, si on fait ici, rien. Ici. Là. Ici. Là. Parfait. Il faut faire comme ça. Mais par contre. Il y a un truc qui me chatouille l'œil. Je pense que. On va le commencer ici. Faire comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Allez, ça va nous donner des petits vers de terre. Des vers de terre pour aller pêcher. Les pêcher du poisson. Du poisson, on va manger. C'est bon le poisson. Marcel. On va arracher ces arbres là. Hein. Ça va pas être... Non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Je fais combien de rangées là du coup parce que... Après on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, j'ai pas 9 trucs différents. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où j'en supprime deux. Position.
Non, on peut pas l'enlever, si on... Enlever. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Merci. Couper l'herbe. On va nettoyer ça, parce que là, ça va pas du tout. Là, ça ne va pas du tout. Ensuite, je la sens stressée. Elle va fumer. Hop, elle va couper cet arbre-là, là. Elle a pas fini sa clope. Allez, coupe-moi ça. Coupe, 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 coupe. Normalement, les petits buissons... Enfin, l'herbe, déjà, on va l'enlever aussi. Ça m'est arrivé une fois, mais il y a longtemps. Ça se trouve, ça a été corrigé depuis. Dans le... De ne pas enlever l'herbe comme ça, de créer le sillon et l'herbe était au-dessus et après, impossible de l'enlever. La seule solution, c'était d'enlever le sillon. Pour enlever l'herbe, pour remettre le sillon. Mais il y a longtemps, ça se trouve, c'était réparé. Ça se trouve, c'était corrigé depuis. Ça, est-ce qu'il y a moyen que tu me l'enlèves? Non, ça, tu ne veux pas. Bon, ça, c'est pas trop gênant. Ça, ça risque de nous gêner. Ça aussi. C'est dommage parce que ça fait beau, quoi. On peut pas les garder. On peut pas les garder, on est obligé de les couper. Voilà, et là, on devrait pas être trop mal. On va y arriver. On va y arriver à faire notre petit chez nous. On va y arriver. Je voulais enlever la hache. Peser un sillon. Et ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est pas un grand potager, parce que ça sert à rien. Et genre... Il faudrait qu'on fasse... Je pense 5 plantations de chaque. Je pense que c'est pas mal. Encore qu'on peut tenter 4 et puis on verra au fur et à mesure si... Là on a beaucoup de boîtes de conserve, il y en a beaucoup aux alentours qu'on n'a pas prises. Ouais, je pense qu'on va faire que 4. On va faire que 4 de chaque. Là on est à 3. Si on continue de l'autre côté, ça fait 3, ça fait 3. Donc là ça va faire 4 et 4. Ok. Faire 4 comme ça. Ah bah là il disparaît, donc voilà j'ai rien dit. Du coup ça a été corrigé. L'herbe disparaît. Bah vous deviez sûrement le savoir. C'est vrai que j'ai pas prêté attention à ça. Ça fait un bout de temps. Allez, le petit dernier après. On devrait être bon. Ça fait 4 comme ça, ça fait 4 comme ça. Parfait. On va nettoyer tout ça parce que ça fait pas beau. Hop. On enlève ça, on enlève ça. Ça ira dans la cheminée. On chauffera que l'année prochaine maintenant, je pense. Hein, parce que là, 29 avril. Pas maintenant qu'on va chauffer, je pense. On n'a pas chauffé cet hiver. On n'a pas chauffé cet hiver. Hop, hop. Ah, mais j'oublie tout le temps de jeter les chaussures. Bon, après, c'est pas la place que ça prend, mais bon. Non. Hop. Ah, tu vas me mettre ça ici. Voilà. Et ça, ça me gêne. Arracher l'herbe. Là aussi. Impeccable.
mets la bûche, la branche. Tu me mets les brindilles, la branche. Très fatigué, 16h40, très fatigué. Mais ça devient une feignasse. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par la pomme de la terre. Ouais, 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 la pomme de la terre. 50 graines, ça devrait peut-être suffire. Semer, 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 pomme de terre. Par contre, ça suffit largement. Ensuite, on va faire brocoli. Impeccable. Ensuite, on va faire carotte. On va planter de la carotte. Ensuite, du chou, mon chou. Tu veux du chou, mon chou? Eh ben, on va planter du chou, mon chou. Impeccable. Ensuite, de la petite fraise. Alors, c'est pas vraiment la saison. Je crois pas. Je ne sais plus. À vrai dire, j'en ai jamais planté chez moi. Radis. Semer radis. En espérant qu'il pleuve rapidement. Comme à chaque fois, comme ça on n'a pas besoin d'arroser. Et il nous reste des tomates. Les petites tomates. Hop là. Ici, et on est bon. On est bon, on a notre petit potager, ça y est, on est prêt à survivre. Ça y est. Je vais remettre tout ça ici. Hop. Ainsi que tout ça. Ainsi que ça, là-dedans. Ça, ici. Tu as faim. Eh ben, mon chat. Et là, on est pas mal. Faut construire un petit meuble. Au pire, faut qu'on fasse un tout petit cabanon ici aussi. Pour le potager, je pense, pour mettre les graines, pour mettre les engrais, pour mettre... en sachet, je parle, parce que l'engrais, là, il y en aura de à part. Je pense que ça pourrait être pas mal. Niveau bois, on est comment? Ouais, ça va être trop court. On va pas en avoir assez. On va pas en avoir assez. Et là, on n'avait rien à manger non plus. Oui, congelé. Je vais mettre ça à la poubelle. Parce que depuis, c'est là depuis le début. Hop. Est-ce qu'on va faire, au pire des cas, on va commencer à ranger 2-3 broutilles qui traînent. Je ne sais pas par quoi commencer. Honnêtement, il y a tellement de trucs. Je suis démoralisé. Non. Hop là, ça on met ça à la poubelle. Et il y avait les chaussures. Après, faut pas qu'on perde trop de temps. Ça serait bien de lire un petit peu. On lit pas. On lit jamais. Elle sait pas lire. Maud ne sait pas lire. Faut le dire. Ça met nous ça. C'est vrai, là il n'y a plus rien. Et est-ce qu'il y a possibilité... Ça sert à rien ça. Ok. Au pire des cas, faudrait qu'on commence le stockage à l'étage aussi. Hein. Parce que c'est pas que je veux pas. Mais voilà quoi. Hein? Niveau carburant. 41.
Mais ça descend vite. Attends, on va refaire le plein de mazout. Ajoute du carburant. Allumé. Et là, il... Ça posait par terre. Le briquet, mais t'es bête ou quoi? Elle a posé le briquet par terre. Tant pis, on va commencer un peu ici. Parce que ranger, c'est bête. Ranger, c'est bête, tout simplement, parce qu'il n'y a pas où les mettre, quoi. Bah oui. Forcément, réfléchis un peu. Réfléchis, Devil. Devil. Ah, trois dans le sac. Oh. C'est un miracle. Que dis-je? Allez, il y a deux bûches. Veux-tu une bûche pour Noël? C'est bien ça. Une petite bûche. Une bûche, ma bûche. Après, quand on va aller farmer du bois à côté, faut que je prenne les cordes. Ça va être beaucoup plus simple. Ça, c'est la clope qu'elle a pas fumé tout à l'heure. Elle est chiante, hein. Elle est chiante, t'as pas fumé comme ça, là. C'est vrai qu'on est bien ici, hein. Franchement, c'est calme, c'est posé, c'est joli. C'est grand. C'est beau. Exténuée, la petite dame. Allez, après tu vas aller faire dodo, je te promets. T'inquiète pas. Tu vas commencer à construire, père des cas, pour commencer à te libérer, parce que je te sens lourde. Ah, ça y est? T'as déjà plus rien? Débuté? Ah oui? Construire? Sol? Vas-y. Vas-y, construis. Voilà. Ok. Donc ça au petit jour. Logiquement au petit jour. Ça fera partie de l'intérieur. Comme à chaque fois. On va arrêter ça là. On va les lire un petit peu. Hop, on va les lire un petit peu. Et de dos, un petit peu. Hop, parce que faut avancer un petit peu la recherche là. Ça serait vraiment pas mal. Au niveau recherche, on est qu'à 4. Mec à 4, la cuisine, on va bientôt l'avoir, ça va être cool aussi. Quand on va couper du poisson. Poisson avec des légumes là. Ça va être magnifique, ça va être trop bon. On va se régaler. Allez, lis un peu plus vite, ou je sais pas, fais un truc quoi. Allez, à 22h30, on arrête. Hop là. On a dit on arrête à 22h30. Donc on arrête à 22h30 et on se couche. Réveillé à 6h, je crois. 6h30? À quelle heure j'ai mis réveil? 6h? Bien. Hop là. Le jour se lève. Dans notre planète, on avait des chips à manger. Il y a du vent, il fait 0 degré. Alors les cordes. Où ai-je mis les cordes?
Des cordes, des cordes, des cordes. Moi, je veux des cordes. Non. Non plus. Là-dedans. Là, il y en a une. Ça y est, on est refait. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. J'aurais peut-être dû chercher ça la veille, non? C'est une perte de temps hein, ce matin. Bah voilà. C'est par 3 ou 4. Oh, je sais plus. Ou par 2. 2, 4, 6, 8. Les 9. Pour le plaisir. Du coup, ça nous en fait 10. En petit foutingue. Hop, je range ça là. Ça, je range ça là. Ça, je range ça là. On est pas mal. Le mec qui comprend rien. Ça a pas encore poussé? Et si on a 6 bûches, hein, mine de rien. On peut en lier 4 déjà. Et lier les deux autres. Comme ça. Mine de rien, on peut en mettre 2. Là. Ça fait que 12 kilos. Sachant que une fait 9 kilos de base. N'oublie pas ta hache, t'es venu pour ça. Là, je vais laisser les 2-3 arbres qui se battent comme ça. Parce que si on enlève tout, ça va être moche, quoi. Le but est d'en laisser un petit peu. Ou même. Ou même. Donc, délié. Ici. Délié. Parfait. On va les débiter. Voilà. Et tu as tout ce qu'il faut sur toi pour faire les petits sols en bois. Faut pas que je tombe en faisant ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. D'avancer juste en construisant. Et du coup, elle est tombée dans le vide. Sans réfléchir. Elle a marché dans le vide. Elle est pas toujours fut-fut, hein. Voilà, t'en as combien encore là? J'ai l'impression que t'en fabriques en même temps. Non? J'ai l'impression. Ok. Parce qu'au final, il va pas en manquer tant que ça. Là, il faut qu'on avance de 2. Ouais, c'est ça, 2. Là, on est ici, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Ouais, c'est ça, 13. 2 fois 13, 26. Donc ça fait 13 bûches, 14, 15 bûches. Il faut que 15 bûches. On ne fera pas qu'un tour. Bûches, mais t'es gourmande. Ça fait beaucoup. Non, c'est pas possible. Non, je raconte n'importe quoi. 26, 28, 30. 30, 10 bûches il nous faut seulement. 3 planches par bûche. Mal calculé. On a un copain. Allons lui rendre visite. Bonjour. Je m'appelle Devil. Ça va? Ça n'a pas l'air d'aller. Je sais pas, il répond pas. Couper l'arbre. Allez, il nous en faut que 3. 10. 3. Et là, faut faire gaffe. On est en terrain hostile. Deux, quatre.
10, 8. Allez, on se dépêche. Les dixièmes, elles sont ici. Tu me dis deux lots de 4. Je peux mettre ça là, c'est parfait. On va faire qu'un tour. On va faire qu'un tour. Elle est formidable, cette femme. Formidable. Ça, c'est ma femme. Douze bûches. Oh, j'ai eu peur d'avoir record sans le son. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et du coup, j'ai dû tout recommencer, quoi. Parce qu'il n'y avait pas ma voix, donc je parlais, mais je faisais du playback. Ou alors, c'était le contraire. Il n'y avait pas le son du jeu, il y avait ma voix. Hop là. Tu vas me délier les trois. Allez, vas-y, ma belle. Hop. Maintenant, tu vas me débiter... Je crois qu'elle a tout fait. 25, 36. 36, 36. On avait 12, ouais, c'est ça, 36, parfait. Seul en bois. À la construction. Tout le monde s'éclate. La construction. Allez, t'en récupères d'autres. Tu te mets full. Mets-toi full, full, full. Tu fais seul en bois encore. Ça change pas. Hein. Toujours des seuls en bois. Oh. C'est con quand ça arrive, ça. 14. Il va en rester 3. Construire seul en bois. On va pas avoir assez de clous, je crois. On peut compter ce qui nous restait. Oh! Arrête, pourquoi t'as plus tard? Pas possible. C'est pas normal. Elle en fait exprès. Et punissez-la, quoi. Oh, j'arrête avant. Parce que je regardais là. Très essoufflé, oh pardon, fatigué, je vous ai mis une patate. J'ai mis une patate. Est-ce que là je peux faire Médin encore ou pas? Oh oui, largement. On arrive ici, oh oui, largement. On peut faire Médin, et on peut pas, elle veut pas. Elle veut ici, mais elle veut pas là. Et là non plus. Bon, bah on va rester comme ça. Je vais juste faire deux petits murs là. Et il nous reste que deux planches. On va pas s'aventurer là-dedans maintenant. Hein, on va juste poser les planches là. On va juste poser les cordes là aussi. Et puis, il est où? Elle est là. On va la poser là aussi, la petite hache. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est bien. Réfléchis, où est-ce que t'as mis ça? Où est-ce que j'ai mis... ma masse. Ma masse. Ouh. Essaye de l'appeler, on sait jamais. Et la répond. J'en ai d'autres, hein, dans les véhicules, c'est pas grave. Mais c'est incroyable, ça. On va prendre celle-ci. Et puis, on va commencer à préparer là-haut. Là, je crois qu'on est, plus... on est à sec. Hein. Là, c'est quoi? Rangement. Ça nous fera déjà 3 étagères à mettre en haut.
À moins qu'on les laisse là pour là. Ouais, je pense qu'on va les laisser là pour le garage. On ira en chercher d'autres. Allez, détruis-moi ça, Ginette. Parfait, j'aime bien quand tu fais ça. Travaille bien, là. Ça va être une journée remplie d'efforts. Hop là. Continue. De toute façon, on va faire tout le long parce qu'on va faire des murs après. À voir comment ça va tomber. Oh mince. J'étais prêt, j'étais ready. Bombe. Mode, ça ne va pas le faire. Je vais me fâcher. Alors, 1, 2. 1, 2. Et ben c'est parfait. Comme ça, on met deux étagères. Et on a une allée. Ou alors, on met une étagère, une allée au milieu, l'allée centrale, et une étagère. Ouais, c'est mieux comme ça, ça va changer un petit peu. On va faire ça. On va juste détruire ce petit morceau-là. Voilà. Et l'objectif, ça va être de trouver... De trouver beaucoup. 1, 2. Une allée, 1, 2. Ouais, donc c'est ça. Et il faudrait qu'on mette... Là, on va... On va pas faire jusqu'au bout. Faut qu'on ait un accès ici. On va mettre une porte là. Un, deux. Une allée, 1, 2. Le problème, c'est que... Le canapé, faut qu'on le déplace. Au pire, on fait une porte ici. Pour aller là. Et là, on fait un mur ici. Pour le stockage. Donc ça fait 2, 4, 10, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 étagères. Ça commence à faire. On n'aura pas tout dès le début. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup. Non. 14h, ce qu'elle peut faire au pire des cas, vu qu'elle est à bout de souffle, c'est lire un petit peu. Est-ce qu'elle peut... Ah, je sais plus. Est-ce qu'on peut se reposer et lire en même temps? Je ne crois pas. Non. Ali, ça va te reposer. Tu lis dehors, toi, tu t'en fous, tu te l'écailles. Il fait un peu frisquette ici, hein. Une ampoule qui a pété. Oh non! Ça y est, cette maison est tentée aussi. S'il vous plaît. Ça m'enlève pas l'essoufflement. C'est qui a pété? C'est qui ampoule a pété? Allumé. C'est elle qui a pété. Elle, elle a pété. J'y crois pas. La malédiction nous a suivis. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Luminos. On ne s'en sortira jamais.
J'aurais dû le sortir avant lui. Au pire, on va se le faire griller un peu là. Voilà, on va le décongeler rapido. Pouvoir remplir. Faut que je trouve un micro-ondes. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Le faire, hop là, prêt, cuit, parfait. Ça me refaisait une cuisson. Dépression, mange tout. Et là, tu vas aller te coucher, ma fille. Tu vas voir, tu vas faire de beaux rêves. Voilà, c'est le gros poisson qu'on a pêché l'autre fois. Mais alors là, tu vas pas revenir. On lit encore un petit peu, allez, jusqu'à 21h30. Comme ça, on se couche un petit peu plus tôt, on va être en meilleure forme, parce que là, c'est vrai que... Même un peu avant, 21h. Hop là, 21h. Et dodo, vite, on perd pas une minute, on perd pas une seconde de plus. Voilà, 6h10, même. 207 pages, faudrait qu'on termine celui-ci à la prochaine nuit. Ça serait vraiment pas mal de terminer. Et puis après, commencer à réunir les bouquins. D'ailleurs, j'en ai pris aucun et ça a été bête. Ça a été bête, j'ai pris aucun bouquin. C'est pas cool. Il a pas plu. Il n'a pas plu. Donc, le potager n'est toujours pas arrosé. J'espère qu'on va pas perdre ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on avait mis du bois là-dedans? Info sur le foyer, 0 minutes. Non. D'accord. On va lui faire fumer une petite cigarette. Et puis, logiquement, on va juste aller vérifier à l'étage. Logiquement, ça fait... Pardon, ça ne fait plus partie de l'extérieur. Ça fait partie de l'intérieur. On va aller voir ça. Voilà, parfait. C'est bon, ça fait partie de l'intérieur maintenant. Prochain épisode, faudrait qu'on ferme ici. Faudrait qu'on ferme là-bas. Ici, on fait la porte. Je sais pas où exactement, on verra où ça va tomber. Ou peut-être même deux portes. Parce qu'on fera une rangée, deux rangées. Donc peut-être une porte là et une porte ici. On verra pour que ce soit en accès direct, qu'on vienne par là ou qu'on vienne par là. Et puis voilà. Et puis on commencera aussi à récupérer des petites étagères à côté. Et deux, trois babioles. Ça va être tout pour cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à bombarder la barre des pouces bleus, je vous dis à la prochaine, c'était David, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.